Alors on va imaginer qu'on a un disque, un cercle hein, donc, et c'est un cercle dont on connaît l'air. On sait que l'air du disque, hein, je, je parle de l'air du cercle, en fait ce serait plus exact de, de dire l'air du disque, hein, puisque c'est tout l'intérieur qu'on considère. L'air de ce disque donc, c'est, on sait que c'est 36 pi. 36 pi, c'est l'air de ce disque. Et la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est, est-ce qu'on peut, à partir de cette donnée-là, enfin se connaissant l'air d'un disque, est-ce qu'on peut en déterminer la circonférence Alors ce que j'aimerais, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de le faire de ton côté, enfin en tout cas que tu, que tu y réfléchisses tout seul. Voilà, alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Alors, le principe qu'on va essayer de, de mettre en place, c'est que si on connaît l'air d'un disque, eh bien, en fait, on doit pouvoir en déterminer le rayon. Et après, si on connaît le rayon d'un disque, évidemment, on peut appliquer les formules qui donnent, enfin, la formule qui donne la circonférence du, du, du cercle, la circonférence du disque, donc. Alors, voilà, là, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, du coup, c'est de trouver, à partir de cette donnée-là, de la donnée de l'air du disque, trouver son rayon. Alors, pour ça, bah, tout simplement, il faut se rappeler que l'air d'un disque... Il faut se rappeler la formule qui donne l'air d'un disque, et cette formule, c'est pi fois r au carré. L'air d'un disque de rayon r, c'est pi fois r au carré. Donc en fait, là, si tu regardes uniquement cette partie-là, je vais la réécrire ici, en fait, ça donne une équation. Je vais la réécrire dans l'autre sens, pi fois r au carré égale 36 pi. Voilà. Alors là tu vois qu'avec un peu d'algèbre, on peut arriver à trouver r au carré. Il suffit en fait de, de simplifier des deux côtés par pi, hein, ce qui revient à diviser par pi des deux côtés. Voilà. Et puis là, évidemment, les pi se simplifient ici, et les pi se simplifient là. Et donc, on trouve finalement que r au carré est égal à 36. Voilà. Alors là, on a presque pratiquement terminé, parce que bon, si tu regardes ça d'un point de vue purement mathématique, tu vas, tu vas répondre que du coup, r, c'est... Plus ou moins la racine de carré de 36, donc, donc R, ça sera plus ou moins 6. Évidemment, là, on parle d'un rayon, donc on ne va pas considérer les valeurs négatives, on va, on va considérer uniquement les valeurs positives, hein, puisqu'un rayon, c'est une, une distance, donc c'est un nombre positif. Donc ça, ça implique, dans notre cas, que R est égal à 6. Voilà. Donc voilà, on a trouvé, connaissant l'air, on a trouvé le rayon simplement en résolvant cette équation-là, 36 pi égale pi fois r au carré. Alors maintenant, bon, c'est assez facile de trouver la circonférence, hein. je vais le faire ici, la circonférence d'un disque, d'un cercle, eh bien c'est C, elle est donnée par la formule 2 pi fois r. 2 pi fois le rayon. Donc là, ici, ben, la circonférence, dans notre cas, c'est 2pi fois 6, 2pi fois 6, et c'est-à-dire en fait 12pi. 12pi. Voilà.